Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade. Depuis ce lundi 20 février 2023, la statue de cire de l'humoriste de 54 ans aurait été retirée du célèbre musée Grévin à Paris, pour une durée encore indéterminée, indique Télé Loisirs. Déjà plus d'une semaine que Pierre Palmade est au centre de toutes les discussions. Le vendredi 10 février, alors qu'il avait lancé les festivités dans sa résidence de Célie-en-Bière avec quelques invités, Pierre Palmade a pris une décision qui a fait basculer la vie d'une famille. L'humoriste a en effet pris le volant, en compagnie de deux autres personnes, alors qu'il était sous l'emprise de cocaïne. Malheureusement, Pierre Palmade s'est déporté sur la voie d'Ennefas, percutant de plein fouet un autre véhicule, avec trois passagers à son bord, une jeune femme de 27 ans, enceinte de 6 mois et demi, qui a perdu son bébé, mais aussi un homme de 38 ans et son fils de 6 ans, qui se trouve toujours dans un état très grave. De ce fait, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le week-end dernier, une nouvelle enquête contre l'humoriste a été ouverte après le signalement d'un individu. Ce dernier aurait affirmé que l'humoriste détiendrait des images pédopornographiques. Selon les informations de BFM TV, l'homme en question aurait même affirmé que Pierre Palmade se serait vanté de pouvoir disposer sexuellement de deux enfants, âgés de 7 et 9 ans. Un autre homme, quelques heures plus tard, aurait transmis des vidéos dans lesquelles on peut voir Pierre Palmade visionner des images pédopornographiques. De nouvelles révélations qui ne devraient pas aider l'acolyte de Muriel Robin. D'ailleurs, des décisions ont déjà été prises au sujet de son image. Pierre Palmade quitte le musée Grévin actuellement. Pierre Palmade est assigné à résidence au sein du service d'addictologie d'un centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne et sous surveillance électronique. Mais avant un possible verdict rendu par le juge d'instruction, une décision en lien avec Pierre Palmade a été prise dans un lieu parisien. La statue de cire de l'humoriste a été retirée du musée Grévin, à Paris, ce lundi 20 février 2023. Pour une durée indéterminée, indiquent nos confrères de Télé Loisirs. La statuette à son effigie aurait quitté une des salles du musée, qu'il partageait avec Simone Veil, Robert De Niro et Gérard Depardieu. Le personnage a été retiré du parcours, par respect pour la famille qui a été meurtrie, pour cette dame qui a perdu son bébé et ses personnes à l'hôpital, a précisé la direction du musée à nos confrères. En effet, le lieu mythique parisien aurait reçu quelques remarques au sujet de la présence de la statue de Pierre Palmade. On a eu des réactions assez vindicatives sur Monsieur Palmade. Encore une fois, on l'a fait vraiment en pensant à cette famille, précise-t-on en interne. Pour rappel, Pierre Palmade avait intégré le musée Grévin au même moment que sa grande amie Muriel Robin, en octobre 2021.